Coucou les filles, je vois que la notification est arrivée, c'est cool. Alors, comment ça va aujourd'hui? Je suis heureuse de vous retrouver pour ce live, notre rendez-vous du mercredi. Je vais juste brancher le chargeur parce que sinon on risque d'avoir un petit souci. Coucou Cornelia, coucou Perrine, comment ça va les filles? Hop, je règle ça là par là. Ça devrait pas être mal comme ça et je vais juste bouger un petit peu mon plan de travail. Super. Alors, je cherche mon retour. Donc, comme vous voyez, ce soir, on va travailler avec le Stamparatus. Comme j'ai prévenu à peu près il y a 2 heures à peu près, j'ai mis ça sur la page. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas? Parce que je crois même que je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc c'est pas normal. Alors, Cornelia, ça va, impeccable, ça va, merci beaucoup. Alors, bonsoir à celles qui arrivent, bonsoir Martine. Comment ça va aujourd'hui? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre atelier créatif du mercredi, notre petit rendez-vous hebdomadaire. Hop, j'ai le retour qui est là, c'est ça. En fait, je bug, c'est parce que je cherche mon retour. Hein. Voilà. Donc, ce soir, on va faire une petite carte, enfin, plusieurs petites choses, en fait. On va sortir le Stamparatus et on va essayer de s'amuser avec. On va faire des petites révisions pour certaines, certainement. On va faire voir aux petites nouvelles comment ça se passe. Est-ce que déjà le son est bon et puis l'image aussi, s'il vous plaît, les filles. Voilà, j'ai mon retour. Ça a l'air d'être pas mal de mon côté, en tout cas. Ça a l'air d'être bien. Je n'entends pas ma voix, c'est plutôt bizarre. Hop, je coupe le son, c'est parfait. Alors, on va laisser les filles arriver tranquillou. Donc là, je vous ai mis deux modèles. Je me suis servi du Stamparatus pour faire ces deux modèles-là. Et pour celles qui ne connaissent pas le Stamparatus, ben, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est parfait de votre côté, les filles? Eh bien, c'est super. Merci beaucoup de votre retour. C'est génial. Donc là, je me suis amusée avec les petites coccinelles pour faire une carte en rond. Donc, certaines ont déjà fait des cartes en rond avec moi. Donc, on va voir un petit peu tout ça. C'est bien les tempêtes de cœur là, mais c'est super, mais c'est génial, c'est mon chéri. Excellent, excellent. Bienvenue à toutes en tout cas pour ce petit moment créatif. Alors moi je vous disais, j'ai fait cette petite carte pour envoyer avec mes catalogues. Donc c'est une carte que j'ai fait en plusieurs exemplaires. Donc pour le coup, eh bien je me suis servi du Stamparatus. C'est pour ça qu'il est fait en fait, pour faire des répétitions de tampons et pour gagner du temps, surtout quand on a des faire-part à faire, par exemple des cartes en grande quantité, des cartes d'anniversaire, des cartes de vœux. Donc voilà, ça sert super bien pour ça et c'est génial. Coucou Colette, coucou Hélène. Un petit coucou rapide, bah c'est super. Coucou à toi et puis bah si t'as le temps de revenir après, reviens nous voir surtout, hein. Hein, il n'y a pas de souci. Ou tu mets ma voix en fond si tu veux, pour bercer les enfants, c'est pas mal aussi. Coucou Lily, coucou Lydia, j'espère que tout le monde va bien. Donc, en fait, on a le Stamparatus qui est un positionneur de tampons chez Stampin' Up. Donc, le voilà. Quand vous le recevez, vous avez 2 pages. Moi, j'appelle ça des pages. Donc, c'est deux volets comme ça. Alors, surtout quand vous le rangez, par contre, vous ne les mettez pas ensemble. Il faut tout le temps en enlever une. Sinon, vous allez casser les charnières. D'accord? Les charnières, serait dommage de les abîmer. Quand vous le recevez avec un tapis mousse qui est fait pour les tampons en résine, donc les transparents. Donc, on met ce tampon-là. Si on a un tampon caoutchouc, on l'enlève. Ici, c'est quadrillé. Là, c'est moi, c'est un petit rajout que j'ai fait. Et avec, vous avez aussi 2 aimants. Alors, les aimants, attention, attention, ils se positionnent donc à l'arrière du massicot, mais ils sont très, très puissants. D'accord? Donc moi, ils sont déjà coupés. Hein. J'en ai plus que 4 morceaux. D'ailleurs, j'en ai perdu un. Hein. Je ne sais pas où il est passé. Normalement, j'en ai 4. Mais à la base, en fait, c'est un seul. Hop, je vais retourner ça. À la base, c'est un seul aimant qui est grand comme ça. Mais ils sont tellement puissants qu'ils se sont sautés dessus, en fin de compte. Et du coup, ils ont pété. Donc maintenant, j'ai 4 morceaux d'aimant. C'est pas mal non plus. Hein. Mais bon, c'est vrai que ce jour-là, je suis restée un petit peu bête. Alors, pour la petite histoire, j'en avais un sur le Stamparatus et j'en avais un ici. Et ils sont tellement puissants que l'aimant a sauté sur l'autre et puis ils ont pété. Donc à la base, ils sont. Là, j'en ai racheté. On peut les racheter hein, si on veut. Ils sont grands comme ça. Voilà. Donc moi, là, pour l'instant, je garde les petits parce que je me dis que c'est pas mal des fois de tenir à 4 endroits. Mais évitez vraiment qu'ils soient côte à côte tellement ils sont puissants. D'accord?
Donc ça, c'est vraiment le Stamparatus quand vous le recevez. Vous recevez donc le tapis mousse, le Stamparatus, les deux pages et les deux aimants. Et en plus, on peut avoir le tapis de luxe, on appelle ça. Oui, bah oui, Cornelia, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ce problème-là, mais bon, c'est un problème sans être un problème parce que après, ça nous fait des morceaux et on peut s'en servir, c'est pas mal. Le tapis de luxe, c'est un tapis mousse également, plus épais que celui qui est dedans. D'accord? Donc, vous voyez un peu la différence, il est plus épais. Et l'avantage, c'est qu'il est quadrillé. Parce que c'est vrai que quand on mettait ce tapis-là, eh bien, vu qu'il n'était pas quadrillé, ben, on ne pouvait pas avoir de repères. Voilà, donc moi je me sers essentiellement maintenant de celui-ci. Il ne coûte pas très très cher. Il est à la page des Stamparatus. Alors je vous montre ça vite fait pour celles qui n'avaient pas vu. Donc, le Stamparatus, il est ici. C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Il est page 144. Et du coup, on a le Stamparatus. On a les aimants qu'on peut racheter si on veut. On peut acheter le tapis de luxe. Il est à 7,25. Voilà. Et on peut acheter aussi des papiers à la taille de notre Stamparatus quand on ne veut pas le salir. Donc les infos sont page 144 du gros catalogue annuel. Voilà pour la petite histoire. Donc moi je m'en sers beaucoup quand j'ai des répétitions de tampons à faire, quand j'ai des cartes en rond, que je veux faire des cartes en rond, moi j'appelle ça les cartes en rond, les cartes couronnes, j'adore ça, donc ça ce soir je vais vous montrer. Et aussi pour d'autres choses que je vais vous montrer ce soir, parce qu'en fait on peut faire plein de choses avec. Alors il sera en deux parties ce live, je vais faire une partie ce soir et je referai la semaine prochaine ce que je n'aurais pas eu le temps de faire ce soir. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas oublier certaines choses. Après je ne sais pas tout non plus, hein. Certainement qu'il y a des choses que je ne sais pas. Mais c'est pas grave, moi je vais vous faire voir déjà ce que je sais. Bonsoir à toutes celles qui sont arrivées pendant que je papotais. Bonsoir Marianne, bonsoir Virginie, j'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'il y a Anne-Sophie aussi qui me regarde. Jacqueline, eh bien bienvenue les filles, bienvenue sur ma page. Sur la page de Nini Stamp, donc je suis Virginie Julien, je me présente. Je suis démonstratrice dans le Calvados en Normandie, dans le 14, depuis 7 ans maintenant. Et je fais des lives depuis le confinement, depuis avril 2020, suite au confinement, pour rester en contact avec mes petites clientes. Et puis, ben, du coup, j'ai fait connaissance de plein d'autres personnes, donc c'est génial. Je vais vous montrer tout ça et puis on va pouvoir s'amuser. Alors, qui a un Stamparatus là dans les filles là? Ça m'intéresse de savoir un petit peu. Bonsoir Christine. Bonsoir Jacqueline. Un petit truc qui a fonctionné pour moi avec les aimants. D'accord. D'accord, ok. Et ils n'ont pas pété comme ça, Lily. Bah écoute, c'est une bonne astuce, c'est super. Merci de nous avoir dit ça. Alors, Virginie, elle a le Stamparatus. Alors, Perrine, elle regarde parce qu'elle est couchée. Hein. Mais elle fera après, n'est-ce pas, Perrine? En tout cas, encore un grand bravo à toutes celles qui ont fait le projet de la semaine dernière. Franchement, vous avez adoré, je pense, parce qu'il y a eu énormément de créations, de partager avec les pochoirs. Et je suis super contente, super fière de vous. Merci beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir de voir toutes vos cartes, c'est vraiment sympa. Alors Jacqueline, elle là aussi, bah, si tu veux Jacqueline, tu peux le sortir avec du papier blanc ou du papier vanille, avec des tampons fleurs, des tampons feuillage, des tampons, des petits animaux si tu veux, des personnages, tu vas voir, on va s'amuser avec. Colette, tu l'as aussi, bah, je crois que Colette, ça t'intéresse ce live-là, parce que tu m'avais demandé de faire un petit live avec le Stamparatus ou à la rencontre de lignée, mais on n'a pas eu le temps, on a trop papoté. Donc pourquoi pas le sortir ce soir. Bonsoir Nadine. Alors, Marianelle là aussi. Coucou Michel. Il n'y a pas de souci, Michel. Ce soir, on travaille avec le Stamparatus pour montrer aux filles comment l'utiliser. Je ne sais pas si tu l'as, mais en tout cas, c'est un outil formidable. Excusez-moi. Alors, le temps que ça arrive encore un petit peu, je vois là, eh bien, je vais vous montrer les dernières cartes de vœux que j'ai reçues parce que je pense que là, ça va se terminer. Moi, les miennes sont parties tard, hein, mais elles sont parties. Voilà, donc là, j'ai, ben ça y est, je l'ai reçu aujourd'hui en plus, Annie, voilà, excusez-moi, Annie, j'ai reçu sa jolie petite carte, donc merci beaucoup Annie, elle est super sympa avec ses motifs écossais traditionnels, les sapins, là, elle a pris un carton ondulé, je trouve ça super sympa, ça met de la matière, c'est génial. Là, j'ai la carte de Marie-Laure, donc avec les ours qu'on avait cet hiver, c'est super sympa, et un ancien plioir neige là qui était vraiment très très beau et tout en finesse, vraiment. Donc merci beaucoup les filles. Là je vais avoir Nathalie, une amie qui m'a envoyé cette carte avec le lot et le feuillage infini.
C'est vraiment un super lot et qui peut aller pour toute occasion. La preuve, pour les vœux, c'est parfait. Merci Nat. Et la dernière, Laetitia. Alors c'est marrant parce que Laetitia et Marie-Laure, elles font partie du même groupe. Et ben, elles se sont donné le mot. C'est vraiment sympa. Donc en bleu cette fois-ci, avec l'ours toujours. Et c'est vraiment super chouette. Là, elle a mis le papier velours qu'on avait cet hiver. C'est chouette comme tout. Donc voilà, donc ça c'était pour les cartes de vœux. Et je partage avec vous ce que ma filleule de Toulouse m'a envoyé. Parce que je trouve ça vraiment trop beau. Alors ça, c'est un mini-album tout petit. Alors c'est marrant parce que j'avais le projet de le refaire bientôt. Et quand j'ai vu son dans l'envoi, je me suis dit, oh tiens, c'est marrant parce qu'on a eu une transmission de pensée. Donc c'est un petit mini, super joli dans les tons noirs et roses, j'adore. Et là, une belle carte. Alors regardez un petit peu comme elle est jolie cette carte. Hop, avec des jolies fleurs. Elle est vraiment très très sympa. Un pli warpois, alors ça j'adore. La dentelle. J'aime beaucoup dans ce style et ça, elle le sait. Voilà, bah merci Manou pour tes petites créas. Ça m'a touchée, ça m'a fait vraiment plaisir. Un gros bisou. Elle n'était pas avec nous à la rencontre de lignée, donc elle a compensé par un bel envoi. Elle est vraiment très, très gentille. Bon, alors est-ce qu'on y va maintenant? Alors, je n'ai pas le stamparatus. Oui, bah voilà, si tu as un petit peu la même chose, il n'y a pas de souci, Michel, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Oui, Lily, t'as vu, elles ont bien bossé, hein, c'est cool. Je me suis dit que maintenant, j'allais partager ce que je reçois. Je me dis, c'est pas mal, ça fait plaisir à tout le monde. Bonsoir, Brigitte. Alors, en premier lieu, je vais vous... Alors, j'ai pas retrouvé celle que j'avais fait avec vous en live. J'avais déjà fait des cartes en rond comme ça. Et je les ai sorties il n'y a pas très longtemps, mais je sais pas. Je les ai rangées quelque part et j'arrive pas à remettre la main dessus. Mais c'est pas grave, moi, je vais vous remontrer ça ce soir. On va en faire une comme ça et puis on va en faire une autre avec des fleurs et des feuillages. Vous allez voir un petit peu comment que ça se passe. Et dans un premier temps... Je vais vous montrer comment j'ai fait cette carte-là. Et puis d'autres choses. Ok? Mais alors, en fin de compte, pour les cartes rondes, alors celles qu'avait déjà fait avec moi la dernière fois, j'ai mis sur ma page, hein, il faudrait retrouver dans les images ou dans l'ancien live, j'avais mis ce gabarit pour faire les cartes en rond. Si jamais vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un message privé sur Messenger avec votre adresse mail. Et je vous l'enverrai si vous voulez, parce qu'il est, je peux l'envoyer par mail. C'est un fichier. Et vous aurez plus qu'à l'imprimer et en fait vous avez la taille, donc chaque couleur correspond à une taille de papier, donc c'est vraiment, bonsoir Michel, à bientôt, merci, c'est vraiment super pratique et on s'en sert énormément. Donc celui-là c'est celui que j'ai imprimé et j'en ai un qui est plastifié, que ma chère Nicole m'avait offert plastifié. Donc du coup c'est très bien parce que quand on fait des débordements un peu comme j'ai fait là, eh bien là on peut juste le nettoyer, donc pensez aussi à le plastifier, c'est une bonne idée. Donc, je peux l'envoyer pour celles qui le souhaitent. Vous me le demandez en message privé et il n'y a pas de souci. Je m'en ferai un plaisir. Quoi vous dire d'autre pendant que j'y suis? Eh bien, en fait, on va utiliser donc des tampons fleurs, animaux, feuillages, ce que vous voulez. Pour faire cette carte-là, j'utilise le tourbillon d'émotions. Hein, vraiment un gros coup de cœur, ce set de tampons. Et vous allez voir que c'est vraiment très, très sympa. Et puis après, je vais utiliser les coccinelles et également... Ce set-là, branchet bourgeon, qui est assorti à la nouvelle perfo branchette, que j'aime beaucoup, donc le motif est là. Et je vais faire une carte avec celui-là aussi. Voilà, voilà. Donc ça, je mets de côté. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi sert le stamparatus pour celles qui ne l'ont jamais utilisé. Donc ça, en fait, je me suis fait une page pour le repositionnement de tampons. Mais ça sera pour une prochaine fois. Et ben il n'y a pas de souci, Lily, tu m'envoies juste ton mail sur Messenger s'il te plaît et puis je te l'envoie après le live ou demain si jamais j'ai un contretemps, mais t'inquiète pas, je te l'envoie, il n'y a pas de souci. C'est vraiment très bien. Alors nous c'est marqué en centimètres, mais tu remettras avec ta règle en pouces parce que je crois que tu n'utilises pas les centimètres, je sais plus. Donc si vous avez comment dire, on va déjà commencer avec le truc basique. Le stamparatus, c'est un positionneur de tampons. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais vous prendre comme message. Attendez, je réfléchis. Je n'ai même pas réfléchi à celui-là. Eh bien, je vais prendre celui-là. Donc là, je vais prendre dans encre d'artiste. Je vais prendre le mot merci. Alors, non, je ne vais pas commencer par ça. Je vais le faire après ça. La position de tampon. Juste, je me prépare un petit... Alors, là, on va commencer avec celle-ci, d'accord?
c'est un coup de cœur, ça. Donc, en fait, ça, c'est quand je fais des cartes dans une feuille à 4. Dans une feuille à 4, en fait, je vais en faire 6. Vous voyez, là, je vais en faire 3 et 3 là. Donc, en fait, ici, je coupe à 6,5 sur 14,3. Alors, vous doutez de moi, mais depuis que je te connais... Ah, c'est bien, Lily. Je suis fière de toi. C'est cool. Donc là, j'en ai pris plusieurs pour vous faire voir que le but du Stamparatus, en fait, c'est une répétition de tampon. Une répétition de tampon. Une répétition pour faire les cartes à la chaîne, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc là, je vais mettre le tapis mousse, mais je vais prendre le gros, moi. Parce que je travaille avec le gros. Et je vais prendre le tampon... Hop, un tourbillon d'émotions. Alors, je vais aussi prendre bien sûr mes aimants. Première chose. Hop là. Le temps que je m'organise, là, ce soir, les filles, c'est un peu le bazar. Hein. Donc, je prends mes aimants. Donc là, je leur ai mis un masking tape pour les prendre parce qu'ils sont tellement puissants que quand ils sont... Bon, là, ça va encore sur le tapis. Et quand ils sont là, je peux vous dire que pour les retirer, c'est vraiment très, très puissant. Donc là, je mets mon tapis. J'aime bien me faire, quand je fais une répétition de tampon plusieurs fois, eh bien, j'aime bien me faire, eh bien, je vais prendre celui-là, vu qu'il est en place. Vous voyez, je mets des masking tape. Donc là, j'ai retourné le gros tapis de luxe. Je me mets des masking tape, comme ça, ce qui va me permettre de mettre ma carte toujours au même endroit. Comme là, ça va bouger avec du tampon résine, le quadrillage de l'autre côté va me servir, c'est sûr, mais là, je suis sûre d'être calée. D'accord? Donc là, je vais mettre mes aimants pour tenir mon papier. Je vais prendre mon arabesque. Donc là, je prends tourbillon d'émotion pour celles qui l'ont. Si vous avez autre chose, un feuillage, une branche, ce que vous voulez, Very Versailles, ça peut être sympa. Et là, je vais mettre du coup, hop, mon tampon en place. Donc, je le mets sur mon papier. Donc, il faut qu'il soit propre, bien sûr. Hein. Donc là, je le mets sur mon papier. C'est moi qui décide comment il va se mettre. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop. Et là, je vais aller... Donc, c'est pour ça que les aimants sont importants pour pas qu'ils nous rebougent le papier. On va aller chercher le tampon. D'accord? Alors, je vais aussi sortir ce que je vais avoir besoin pour après. Donc, le petit oiseau. Et le pourtoi. Voilà. Et du coup, tuc, là, je vais sortir les petits papillons pour après. Alors, il est vraiment bien fait ce set. Hein. Moi, j'adore. En fin de compte, tout va s'attacher à notre arabesque. On a des petites feuilles, des petites fleurs, des papillons, des oiseaux. C'est vraiment sympa. Coucou Martine, pas de souci. Tu restes avec nous quand même ou pas? Si je prends Very Versailles, il faut que j'enlève le tapis noir. Oui, tout à fait. Si vous prenez un tampon, bien Cornelia, si vous prenez un tampon en caoutchouc qui a déjà, oups là, qui a déjà la mousse du coup en dessous, eh bien on enlève le tapis, d'accord? Alors on peut le, si c'est le fin, si ça vous voulez vous laisser, mais normalement le tapis c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de mousse, donc les tampons résine. Ceux qui ont de la mousse, eh bien on enlève. Voilà. C'est bien Cornelia. Donc là, j'ai pris mon tampon, vous avez vu, je l'ai positionné, j'ai été le chercher avec la page. En dessous, là, je me mets une boîte pour pas que ma page elle soit dans le vide et puis quand je vais mettre l'encre, ça me fait un renfort en fait. D'accord? N'hésitez pas à partager le live, les filles aussi, si jamais l'envie vous dit, ça serait super sympa de faire un petit partage. Et bien là, je vais rester dans BD Bermude. Je vais aller tamponner mon tampon, donc je vais y mettre de l'encre. Alors, c'est pas mal le Stamparatus, c'est pour toutes celles qui n'aiment pas tamponner, qui ont peur de bouger. Là, vous avez juste à fermer la page, appuyer sur votre tampon, hop, et voilà. Alors là, vous voyez, c'est mal tamponné. Et là, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, il reste tout le temps à la même place. Donc, hop, et là, je vais aller appuyer un petit peu où il n'y a pas d'encre. Voilà. Donc là, il est positionné. Et je l'ai retamponné, il est retombé à la même place. Donc ça, c'est vraiment le point fort du Stamparatus, c'est qu'on va pouvoir... Alors, c'est très bien aussi pour les coccinelles, par exemple, parce que comme elles sont noires, avec le noir, on a souvent tendance à ne pas mettre du noir partout. Eh bien, tant pis, c'est pas grave. On peut revenir au même endroit. Coucou Marité, coucou Claude. Il n'y a pas de souci, je viens de démarrer, les filles. J'ai pris un morceau de papier, mon arabesque,
et je vais refaire cette petite carte pour montrer qu'elle est très très simple à faire. Là, je cherche ma deuxième petite page. Hop. Alors, l'avantage aussi, c'est que on peut retourner nos pages. Hop. Alors là, du coup, je vais avoir le set de tampons qui va m'embêter. Enfin, le tampon qui va m'embêter, mais vous voyez, je le décale un petit peu, c'est parfait. Et là, je vais pouvoir aller positionner le petit oiseau. Hop. Donc, je le mets où j'ai envie. Voilà. Il colle à mon doigt. Donc là, je mets le petit oiseau, s'il veut bien rester en place, où j'ai envie. Donc, je vais peut-être me mettre debout, parce que la caméra, je ne vois pas si je suis sur la branchette. Voilà. Et je vais aller positionner aussi en même temps, pourquoi pas, le message pour toi. Vu qu'ils ne sont pas côte à côte, eh bien, je peux le mettre en même temps. Toc. S'il veut bien rester en place. Voilà. Et là, je vais aller fermer la page. Donc, je prends l'oiseau. Je prends le pour toi. Alors, vous voyez, le résine, quand il n'est pas ancré, il colle un petit peu. C'est pas grave. On a juste à repositionner notre papier. On remet l'aimant. Et on est parti avec les deux tampons en même temps. Hop, le pour toi, l'oiseau. Si je trouve que c'est pas assez foncé, j'ai plus qu'à remettre de l'encre. Voilà, là ça me plaît. Ce qui va me rester à faire, et comme c'est trois fois le petit papillon, là je l'ai mis sur un bloc acrylique et je vais pouvoir aller le tamponner comme ça et après les colorier. Donc là j'en ai fait un, d'accord? J'en ai fait un. J'ai envie de refaire la même chose, mais d'une autre couleur. Par exemple, eh bien, c'est pas grave. Hop, je remets tout ça en place. Je vais nettoyer mon tampon. Donc, c'est pour ça que la chamoise est bien, a été conçue à la base. C'était pour le Stamparatus, pour pas nettoyer nos tampons en les enlevant de leur support. En fait, ça permettait de laisser en place et de changer de couleur comme on avait envie. Voilà. Hop. Coucou Patricia. Donc là, j'ai repositionné mon papier. Je vais changer de couleur. Je vais essayer... Hop, j'en avais fait également en corail calypso. Juste le temps de retrouver l'encreur, voilà. Faut que je baisse un peu mon oiseau. Oui, c'est vrai. Ah oui, tiens. Merci Lily, tu n'avais pas fait gaffe. Alors. Là, je vais vous montrer... Hop, c'est peut-être mon arabesque qui est pas assez... Peut-être que je l'ai mal mis. Voilà, je sais pas, non, je pense pas. Alors, je fais en corail calypso la même chose. Hop. Voilà. Si je veux que ce soit plus foncé, vous avez compris, hein? Je pense que oui, ça vous l'avez compris. Et voilà. Et ensuite, je veux refaire l'autre côté. Donc, l'oiseau, pourquoi est-ce qu'il touche là-haut? Alors là, je déplace, mais normalement, il est prévu. C'est vrai que je n'avais pas vu. Comment ça se fait? Je l'ai peut-être, voilà, je l'ai peut-être mis. Voilà, Lily. Ça va être mieux comme ça. Hop. Donc là, je mets l'encre. Je mets mon message et mon petit oiseau. Alors, vous avez vu un peu, c'est un jeu d'enfant. Hein, voilà. Après, eh bien, ça va être la même chose. Hein. Je vais aller nettoyer pour faire mon petit papillon. Et je vais pouvoir le faire. Hop, et j'aurai plus qu'à le colorier après avec mes marqueurs. Là, j'ai changé de couleur. On nous avait vu, j'ai nettoyé avec la chamoise. Mais je veux en refaire un autre corail calypso. Eh bien, j'y retourne, je remets mon papier. Hop, je remets mes aimants. Et je peux commencer par la fin. Vu que tout est positionné sur mes pages pour aller dans le bon sens et être positionné au bon endroit, eh bien là, si j'ai envie, je peux mettre l'encre sur l'oiseau et le pour toi. J'en remets une deuxième fois. Hein. Hop, voilà. Et là, j'ai plus qu'à tourner ma page pour aller faire mon arabesque.
Donc en fait, vous pouvez faire vos montages à l'envers et ça ne pose aucun souci. Donc là, hop. Alors là, vous voyez, j'en ai mis à côté. Il faut juste que je fasse attention, moi, de ne pas mettre les doigts dedans. Mais sinon, s'il y en a à côté, ça ne va pas sur votre papier. C'est l'avantage. Vu que le tampon est plus haut que la plaque, quand on appuie dessus, on met vraiment que l'encre qui est sur la plaque. Vous voyez? Donc là, j'en veux un petit peu. Oui, c'est vraiment génial, Perrine. C'est pour ça qu'il est temps que tu le salisses un peu et que tu le sortes. Voilà. Et là, j'ai fait mon arabesque. Tout est revenu au même endroit, comme le premier motif, à part l'oiseau que j'ai changé. Hein. Et du coup, on a nos cartes, trois cartes en un rien de temps qui sont terminées. J'ai plus qu'à faire mon coloriage. Donc, vous voyez un peu le gain de temps. Et les ongles, vous avez tout enlevé. Dommage. J'ai pas compris, Claude. Hop. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait mes trois cartes en un rien de temps. Vous avez vu, en 2 minutes, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Si j'ai envie de changer de couleur, je nettoie, je recommence et je peux en faire une cinquantaine si je veux. Ça ne me prendra pas longtemps. Non, il est là le vernis, c'est parce qu'il est de la couleur un petit peu de la peau. Non, non, je l'ai mis hier, je le garde pour ma fille. Il n'y a pas de souci, les filles. Vous avez l'œil partout, c'est dingue. Donc là, je vais nettoyer ce qu'il y a aux alentours. Et je voulais vous montrer également, pendant que... Alors, je vais peut-être changer de tampon. Oui, j'ai changé de tampon pour vous faire voir ça. Donc, ça, c'était la première astuce, faire des cartes en répétition, d'accord? Donc, ça, c'était vraiment... Je voulais vous montrer ça. Je cherche la boîte, mais elle est là, les filles. Hop! Je vais ranger l'arabesque. Donc ça, c'est vraiment un set de tampons qui peut servir pour toutes les occasions. Je l'aime beaucoup. J'étais vraiment contente de voir qu'on avait ce set au catalogue cette année. C'est vraiment un beau produit. Qui a beaucoup plu d'ailleurs. J'ai vu ça. Hop, ça je range. Et le dernier. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer cette astuce-là. Là, je voudrais vous montrer. Donc je vais enlever cela. Je voudrais vous montrer comment on va... ouais, je vais faire ça. Qu'est-ce que je vais faire, les filles? J'essaye un truc. Hein. Et en fait, c'est ça que je voulais. Merci. Merci. Alors, je vais prendre un petit morceau de papier. Hop, et je vais mettre mes fleurs. Donc, vous voyez, si je sais déjà que tout peut aller ensemble, par exemple, eh bien, je peux... Hop. C'est un essai, j'ai pas fait d'essai là, hein. C'est vraiment devant vous que je vais faire ce que j'ai envie de vous montrer. Hop. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est pas grave. Voilà. Hop, on va prendre celle-là. Donc là, j'ai tout mis ensemble. Hop, d'accord. En fait, j'aurais pas dû mettre tout ensemble. Je suis en train de me rendre compte. Je vais déjà faire ça. Donc les fleurs. Ça m'en fougue. Donc là, je vais mettre de la couleur sur mes fleurs. Ah, vous voyez, celui-là, il est mal tamponné. Alors, souvent dans l'angle, on a du mal. C'est pour ça qu'on met rarement nos papiers dans l'angle. Là, j'ai voulu essayer, mais en fait, il suffit d'appuyer ou mettre le tapis fin, au pire, pour ça. Vous voyez? Là, pour le coup, Nini... Ah, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Alors c'est normal, hein, c'est parce qu'on est dans les charnières, donc notre page là elle descend plus bas que là en fait. Bon bah et je voudrais vous montrer que. Hop, un petit peu encore. Non, il veut pas.
me suis mise trop près du bord. Ok, je laisse comme ça. Et là, je voudrais positionner. Alors, j'avais mis celle-là là, je crois. Et celle-ci ici. Et là, je vais prendre. Bon, je vais peut-être avoir le même problème ici pour le coup, mais on va voir. Hop, je prends mon feuillage. Je vais aller y mettre du vert. Oh bah. Alors, je vais mettre le tapis noir. Vu que je suis au bord, j'en profite. Je le remets dans l'angle. Ah, vous avez vu, il se saute dessus, là, les chenapans. Voilà. Donc là, je voudrais mettre du vert. Je vais faire mon feuillage. Voilà. Et si je veux remettre du rose, du coup, vu que j'ai remis... Alors, normalement, elle est restée dessus. Coucou Marie-Jo! Et la joyeuse équipe. Et là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était pas le fait de mettre deux couleurs ou quoi, c'était vraiment... le message. J'ai un petit truc que j'aime bien faire avec le Stamparatus. Je vous l'ai déjà montré, hein, de toute façon. Je mets mon message. Je vais aller hop, chercher une couleur. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Café? Douce suède. Donc là, j'ai retourné ma page, je vais chercher mon message, je vais mettre ma couleur. Hop, je mets, alors vu que j'ai un tapis mousse en dessous, j'appuie pas trop. Hein. Voilà, je mets ma couleur, qui a besoin d'être rechargée aussi. Là. On les met jusqu'à ce que ce soit la couleur qu'on aime. Vu qu'on peut y retourner, il n'y a pas de souci. Hop, je vais essayer d'en faire un dernier coup. Et après, je vais sortir mon Versamark. Avant, je nettoie mon tampon. Vu qu'il reste à la même place, eh ben, il n'y a pas de souci. Donc, je nettoie mon tampon. Je vais sortir d'abord la poudre, ça serait mieux. Je bricole en haut en ce moment et je me rends compte que là je n'ai rien à côté de moi. Voilà, je veux vous montrer une astuce, mais j'ai pas le matériel. C'est pas mal ça encore. C'est la première fois que Virginie t'a pas fait attention parce que j'ai mis ma poudre transparente. Bon, ben, je pourrais pas vous montrer. Oh, c'est malade. Poudre transparente, Virginie. Bon, ben, les filles, je vous fais voir ça la semaine prochaine. Tant pis. En fait, je vous ferai voir ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on peut... Oh, c'est vraiment nul, hein. On peut embosser avec les couleurs qu'on a dans le... dans le catalogue. Donc, en fait, je vous montre ça la semaine prochaine. C'est pas grave. Ma poudre doit être restée à l'étage. La semaine dernière, c'était le Stamparatus. Ce soir, c'est... Non, mais je vous jure. Et Marie-Jo qui rigole. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Il y a tellement de choses à voir avec cette machine. Cette machine, cet engin. Hop, alors là, j'enlève mes tampons. Hop, j'étais persuadée que ma poudre était là. Donc, je range tout ça. Alors, l'avantage de la chamoise, hein, vous voyez, c'est qu'on n'a pas besoin de les mettre sous l'eau. Là, on les range en un rien de temps. Et s'ils pouvaient se ranger à leur place, ça serait bien aussi. Ben alors, voilà. Hop, ça, je vais le ressortir. J'en vais avoir besoin après. Voilà pour ça. Donc là, c'était pour vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais
C'est pas grave, on est encore la semaine prochaine, on y paraît. Hop. Alors, est-ce que vous êtes prête à continuer en faisant une carte en rond cette fois-ci? Ou pas? Ou pas? Ou pas? Je vais peut-être montrer autre chose avant. La répétition de tampon, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Allez. Hop. Donc, la répétition de tampon. Je vais me mettre là. Hop. Le fil rouge avec le rouge. Oui, Marie-Jo, tout à fait. Alors, le stamparatus, c'est bien aussi quand vous voulez faire une répétition sur une carte ou plusieurs messages que vous avez après à découper, par exemple. Ça peut être sympa aussi. Donc, en fin de compte, vous allez positionner votre papier. Donc là, moi, je reprends un repère avec les carreaux. J'ai mis mon message. Voilà. Je veux utiliser plusieurs couleurs. Tiens, ça serait pas mal. Qu'est-ce que je vais avoir? Tout à l'heure, j'avais flamant fougueux et vert. Ouais, bah pourquoi pas. Du coup, on va pouvoir faire une répétition de tampon. Donc là, je prends le vert olive et je vais aller faire mon merci. Si c'est pas assez foncé, encore une fois, hein, on remet l'encre. Ça, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Ensuite, je veux... Donc là, il est en place. D'accord. Je le déplace pas, je le laisse là. Je me rassois, je vais être mieux. Et je vais décaler ma page avec les charnières. Vous voyez? Là, j'étais à la première charnière en haut. Et bien là, je me mets à la deuxième. Et je change de couleur. Oups. Je vais aller mettre du flamant fougueux. Voilà. Décidément. Hop. Voilà, je vais me nettoyer. Donc ça, vous pouvez vous rappeler que vous pouvez faire une carte avec un motif sur le côté, par exemple, et puis votre merci, comme ça, ou bon anniversaire, qui peut être répété en plusieurs pages, en plusieurs fois. Là, j'étais à la deuxième, je descends à la troisième. Je remets de l'encre pour foncer un petit peu. Et là, je vais avoir une répétition de tampon. Ah, mon petit là, il est tout palo. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que vraiment, avec la chamoise, vous n'avez pas besoin de le nettoyer. Vous pouvez changer de couleur vraiment super facilement, quoi. Hop. Et je recommence. Donc là, j'essuie à chaque fois. Avec le vert olive. Alors, vous voyez, souvent, les tampons écriture aussi, on danse quand on va aller mettre un tampon qui est fin comme ça. On va faire ça sur le papier et puis on va voir tout le contour de notre tampon. C'est pas génial. Eh bien, avec ça, on l'a pas. C'est chouette, non? Voilà. Et là, je reprends mon flamant. Alors ça, même un enfant peut le faire, hein. Le stamparatus pour bricoler avec les enfants, c'est pas mal aussi ça. Donc là, j'étais à la 1, 2, 3, 4, 3. Je descends à la quatrième, la cinquième, pardon. Et je vais aller faire mon dernier merci. Donc si j'avais un die que je voulais découper toutes ces étiquettes, et bien avec mon die, sans problème, là, je peux, j'ai plus qu'à le mettre à la machine et puis découper. Donc c'est vraiment sympa. Hop. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait ma répétition. Oui, le contour, c'est souvent avec les étiquettes, enfin les petits tampons comme ça, c'est vraiment souvent. Donc là, on a fait la répétition de tampons, les filles. Ça, c'est du déjà vu, hein, je vous l'ai déjà montré, mais c'est une petite révision qu'on peut faire tout ça. Et là, hop, eh bien tout à l'heure, je vous parlais de Very Versailles. Pourquoi pas le prendre? Il est là. Il est là, mon verri. Mon verri, verri. Et faire... Hop, voilà. Je prends mon papier, mais il ne veut pas. Voilà, c'est ça. Et là, je vais pouvoir aller faire
Alors, je vais remettre le tapis noir. Suffit que ça m'embête encore dans l'angle. Là, je suis sûre que ça ne va pas m'embêter. Je vais pouvoir aller faire... Alors, non, même pas. Même pas les filles. Je suis en train de me rendre compte qu'il va dépasser. Donc, on va se mettre pareil que tout à l'heure. On va essayer de trouver un repère. Voilà. Et là, je positionne mes aimants et je positionne également mon tampon. Hop, comme ça. Je vais enlever mon merci. Je vais chercher ma feuille et je vais prendre... épinette, tiens. Épinette, je vais lui mettre, alors j'ai peut-être débordé, mais c'est pas grave, nous ce qui nous intéresse c'est ce qui va être sur le papier. Hop. Coucou Soraya, comment vas-tu? Hop. Voilà, donc là, j'ai fait mon tampon comme ça. Je vais enlever ce qu'il y a à côté. L'avantage, c'est que ça se nettoie très, très bien. Et là, j'ai un repère de 3 et de 4. Eh bien, je vais me remettre à 3 et à 4, comme ça. Et là, je vais pouvoir faire un... tour de carte, mais c'est pas un carré, ça sera un rectangle. Hop. Mais si on avait une carte où on voulait mettre juste un message au milieu, eh bien on peut utiliser. Comme ceci. Donc en fait là, il n'y a même pas besoin du gabarit si vous êtes intéressé pour faire ça. Vous avez juste à tourner votre page et rester sur le repère qui est là. Tout simplement. Donc là, je me remets sur le repère. Hop, je remets mon aimant. Super. Oh, c'est gentil. Je mets ma petite feuille dans l'angle, là. Hop. Et voilà. Et dernièrement, on va refaire la même chose pour le dernier. Alors là, j'ai mouillé un petit peu mon stand Paratus. On va essuyer. L'avantage, c'est que ça se nettoie vraiment très, très bien. Hop. Et là, je reprends le même repère. Donc, 3 et 4. Toc. Voilà. Et là, bon, bah, elle se touche parce que j'ai fait... comme ça, mais sinon on a une petite carte qui est faite en pas en rond, mais pratiquement, sans avoir le gabarit. Hop, voilà. Hop, vous voyez, on a tourné tout autour et elles sont mises vraiment à chaque fois au même endroit pour faire ça. Maintenant, donc là, je vais nettoyer ça. Maintenant, on va faire la carte en rond. Vous avez sorti votre gabarit? Hop, donc ça, je ramasse, j'enlève celui-ci, Very Versailles, il est là. Cornelia, t'es prête avec ton gabarit? Oh, d'accord, bonsoir Aline, il est 2h44, mais Lily, t'es pas couchée non plus du coup? Voilà, je suis épatée, et puis si c'est moi qui regarde les lives à cette heure-là. Eh bien, bienvenue Lynn, bienvenue la Québécoise. Ça fait plaisir. Quelle idée d'avoir un décalage, franchement. Hein. Hop. Alors, super, tu es prête. Donc, moi, je vais prendre un carré de 13 sur 13. D'accord? Je vais prendre mon carré de 13 sur 13. Je vais mettre un tapis mousse parce que je vais utiliser... Alors là, je vais vous faire voir une première avec la carte.
avec un tampon résine. Donc je prends, je vais me mettre dans ce sens là. Hop, voilà, je vais prendre le gabarit du coup que je mets là. Je le mets avec l'aimant. Je range ça. Et là, je vais avoir besoin du noir. Du noir. Ah non, je vais prendre un carré, pardon, de 10 sur 10. Je me suis trompée pour celle-ci, celle que je vous montre là. 11 sur 11. Oh là là, Cornelia. 11 sur 11, excuse-moi. J'étais partie sur un autre truc, mais là, je vous montre ça avant. Donc là, 11 sur 11. On met l'aimant sur le papier. Ah, il est 2h44 de l'après-midi. Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. D'accord. Ok. Parce que moi, quand il est 20h chez vous, il est 2h44, enfin 2h de la nuit, du matin. Je vais y arriver. Donc là, c'est pour vous faire voir une carte en rond avant de faire les cox. Sur une petite carte de 11 sur 11, on va pouvoir faire pareil, une petite... Je cherche mon set de tampon, en fait. C'est pour ça que je bafouille. Je vais prendre Coucou Amical. Et je vais prendre la petite fleur qui est là. Et puis la toute petite brindille là. Et les petites taches. Voilà. Donc du coup, on va faire une petite carte en rond avec ça. Donc là, c'est quand on a des petits modèles, des petits sujets en fait qu'on va coller. Les taches. Voilà. Coucou tonton, comment vas-tu? Bien, j'espère. Hop. Donc là, je vais mettre ça là pour pas les perdre. L'idée, c'est de tourner en rond, d'accord? On va avoir ce gabarit, donc 11 sur 11. On va positionner toujours la même chose. Donc en fait, on se positionne dans le carré qui est là. Et on va positionner notre tampon, hop, à peu près, voilà, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Hop là. À chaque fois, il colle au doigt, en fin de compte. Et là, je vais... Alors, j'ai pris la petite fleur de coucou amical. Je vais prendre la petite brindille qui est à côté et les petites taches qui sont là. C'est vraiment pour vous montrer, pour faire la carte en rond avant de s'attaquer au coccinelle ou un sujet beaucoup plus gros. Là, on est sur un petit motif. Hein. Donc là, je le positionne mon carré comme ça et je mets mon motif au niveau du trait du milieu, la pointe, comme ceci pour se donner un petit repère. Je vais chercher mon tampon. Si j'ai déplacé mon papier, je le remets, mais là, ça a l'air d'aller. Et là, je vais prendre mes manteaux. Hop, je positionne ma fleur. Voilà. Voilà. Si ça ne me plaît pas. Oh non, il y a un trou, c'est normal. Hop, voilà. Impeccable. Oui, c'était le tampon que j'ai. Ah ok, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a fait ça, donc là j'ai fait le premier. On va aller tourner le papier vers la gauche ou la droite, comme vous voulez. Mais toujours dans le même sens du coup. Et là, on va aller mettre la pointe qui est là sur la pointe de la taille. 11 cm. Donc chaque couleur correspond à un gabarit de papier. Et là, je me remets du coup sur la pointe. Hop. Sur la pointe rouge pour le coup. Et je vais aller positionner ma fleur. Hop. Voilà. Et je vais faire ça à chaque fois. Donc à chaque fois, là j'étais dans cette pointe-là. Là, j'ai été ici. Là, je vais aller positionner cette pointe sur ma gauche. En étant toujours dans le carré rouge, le carré 11 cm. Voilà, on regarde qu'on est bien, on met de l'encre. Et on va faire ça tout autour de notre carte. D'accord? Donc là, j'ai fait le troisième. Oui, t'as vu, Cornelia? J'ai la pointe qui est là, à droite. Je vais aller la mettre sur la pointe du milieu, toujours avec le gabarit rouge. Voilà. Et hop, je me positionne. Voilà. Il faut qu'on voit le carré. De toute façon, on le voit tout autour. Hein. Ok, je mets de l'encre. Et ainsi de suite, on tourne comme ça sur ce gabarit. Donc le gabarit, on regarde qu'il est bien toujours dans l'angle ici, bien sûr, hein, qu'il est bien calé.
pour être bien. Hop. Et on... Ah, faut que je bouge mon aimant, les filles. Bah oui, hop là, j'ai plus qu'à le bouger. Je regarde si mon papier n'a pas bougé, lui. Et c'est impeccable. Je vais enlever celle-là parce que j'en ai pas besoin. Elle est en train de me déplacer mon plan de travail. Donc là, hop. Alors là, j'ai pas assez d'encre, par exemple. Eh bien, c'est pas grave. Hein. On y retourne et on en remet. Bonsoir Martine, comment vas-tu? Hop, je tourne comme ça un petit peu. Et je fais la même chose jusqu'à rejoindre l'autre fleur. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer le système. Et après, on va pouvoir prendre les petites coques et positionner. Hop. Voilà. Coucou Christelle. Ça te rappelle quelque chose? La carte en rond avec le stamparatus. Oups là. Tu connaissais pas Cornelia? Bah, je suis contente de te faire découvrir ça du coup. C'est cool et tu vas voir que c'est un vrai plaisir. Et de faire des cartes super originales avec. Donc là, ma couronne est finie. J'ai fini le tour avec la fleur. Super, Martine. Hop. Et là, je vais pouvoir enlever la fleur parce que là, j'ai fini. À part si je voulais en faire d'autres, bien sûr, je la laisserai et je me servirai des autres pages. Là, je sais que je ne vais pas en faire une autre. Hop, je l'enlève. Maintenant, je vais pouvoir continuer et aller positionner ma petite brindille. Oui, ce gabarit est génial. J'avoue que je l'adore aussi. C'est vraiment super sympa. Là, je vais positionner ma petite brindille. Alors là, le papier s'il bouge, c'est pas grave parce qu'on est en plein positionnement, réfléchir comment on va la mettre. Et eh bien, je la mettrai bien ici. Hop, je regarde si je suis bien, les filles. En fait, à chaque fois que je le lâche, eh ben, il colle à mon doigt. C'est ça le résine. Ah, c'est pénible. Hop là. Allez, reste en place, s'il te plaît. Alors, je vais faire avec l'outil touche à tout, s'il ne veut pas m'écouter. Hein. Je ne vais pas avoir le choix. Hop, voilà. Là, je l'ai positionné où je voulais, d'accord? Et je veux en profiter pour positionner mes tâches. Également. Donc là, pour l'instant, je mets mon gabarit comme ça. Où est-ce que je vais mettre mes tâches? Mes tâches. Parce que du coup, ouais, non, je vais peut-être attendre d'en faire au moins un. Des fois, j'attends, en fait, quand je sais que je vais mettre d'autres tampons, j'en mets au moins un ou deux positionnés pour voir la place qui me reste pour mettre l'autre. C'est ce que je vais faire. Donc là, hop, je remets ça parce que ça a bougé quand j'ai levé. Zo. Même peut-être en mettre deux là. Et je vais pouvoir aller y mettre de la couleur. Eh bien, je vais rester un petit peu dans le vert. La petite brindille, là, je la mets verte. Et je vais aller la positionner. Voilà. Tout en faisant mon tour. Donc, là, je vais hop, faire un quart de tour comme ça. Positionner mon papier. Et je remets mes aimants, bien sûr. Je remets l'encre. Et je continue. Donc là, je vais me remettre toujours au même endroit, au niveau de ma fleur. Tu vois, Cornelia, tu peux intégrer d'autres tampons avec ce que tu as déjà mis. Et c'est là que je vais pouvoir aller mettre également, voir où est-ce qu'elle tombe. Si jamais ça tombe à trop près de mon tampon qui est là, eh bien, je tourne la page. C'est pas grave. Hop, c'est possible de faire ça. Et puis là, je vais pouvoir aller mettre... Alors, je vais voir comment ça tombe. Eh bien, si, regarde, je vais pouvoir les mettre ensemble. Ce qui peut m'embêter, c'est l'encreur pour mettre l'encre. Donc, eh bien, c'est pas grave. Je retourne. Je prends mon tampon qui est là. Et je vais aller y mettre du brune d'une. Un petit peu de tache brune d'une, ça va être pas mal. Hop.
Et là, voilà, c'est tout léger. Hein. C'est vraiment pour avoir des petites taches. Je vais faire un quart de tour. Zouk. Voilà. Je peux commencer par les taches. C'est pas gênant. Je regarde si je suis bien mise. Alors là, vous avez vu, j'ai fait le quart de tour en laissant les aimants. C'est possible aussi quand, quand ça marche bien comme ça, il n'y a pas de souci. Je mets mes taches. Alors là, je dépasse un petit peu. Mon carton est un peu petit par rapport à... Je les ai peut-être mises trop hautes, mes taches. Hop. Eh ben, j'ai oublié un truc, là. Hop, c'est pas grave si j'ai oublié un truc, regardez. Je reviens en arrière. Et je fais quoi? Eh bien, je tourne ma page. Et je fais ma petite brindille. Voilà. Il n'y a jamais de problème avec le Stamparatus. C'est ça qui est génial. On peut faire des erreurs, mais on peut revenir. De toute façon, on peut tamponner dans n'importe quel sens. Le premier ou le deuxième ou le dernier, on s'en fout. En fait, le truc, c'est que on peut toujours revenir au même endroit vu qu'on est sur une carte qui tourne. Donc, on est toujours dans le gabarit. Ça n'a pas bougé. Voilà. Vous voyez, là, j'ai commencé par la brindille. Eh bien, la prochaine, je vais commencer par les taches. Hop, c'est ça qui est bien. Vive le Stamparatus. Je commence par les taches. Zo. Et là, je retourne ma page et je vais mettre ma petite brindille. Alors là, vous voyez, j'ai de l'encre verte que j'ai mis là, mais comme j'appuie ici et que j'appuie pas là, bah, l'encre, elle ne va pas sur mon papier. Ma carte pourrait remplir le Stamparatus. Ça ne mettrait pas ma tâche dessus. Donc, c'est ça qui est top. Là, je vais aller hop là, mettre en premier lieu la brindille. Voilà. Retourner et faire les tâches. On regarde qu'on soit bien en place. Toc. Donc, on peut travailler avec plusieurs tampons à la fois grâce aux différentes pages qu'on a aussi. Là, je vais tourner un petit peu. Ça va, Cornelia? Tu t'éclates? Jacqueline, est-ce que tu fais avec moi? Martine et Perrine, je sais qu'elles ne font pas. Marianne, je ne sais pas si elle est encore là et qu'elle fait avec nous. Hop, la brindille. Tu fais... Ah, super, Jacqueline. T'as pris quoi comme set de tampons? Alors là, elles vont bientôt se dire encore à Nini, arrête de nous parler, on n'arrive pas à avancer. Martine, elle ne peut pas le dire ce soir, elle ne fait pas en même temps que moi. Hop, la dernière brindille. Par contre, il me reste deux tâches, vu que j'ai commencé les tâches. Ouh là là, j'ai commencé les tâches après. Hop, là, je fais l'avant-dernière. Voilà, et je vais faire encore un petit tour juste pour les tâches. La brindille, elle a déjà été faite. Voilà. Super. Et là, il va me rester plus qu'à colorier cette carte avec les Stampin' Blend. Donc là, ce n'est pas la technique de ce soir. Donc, je vais les laisser comme ça. Mais là, j'ai fait une carte. Ah, j'ai oublié un truc. Donc, hop, je remets. Je remets, je remets. Je mets mes aimants. Hop. Je nettoie tout ça. Et là, je vais reprendre mon merci. Sans le Versamark et sans tout ça. Hein, parce que du coup, j'ai oublié. Le merci, c'était celui-là. Je ne sais pas si je l'ai sorti. Non. Hop. Donc là, je prends le merci de Branche et Bourgeon. Il est tout petit, j'aime bien. Enfin, tout petit. Il est plus petit que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Je le mets au milieu. Hop. Et je vais tamponner. Donc là, je vais vous faire voir avec la troisième page. Je mets la page ici. Je vais chercher le message. Et je vais aller mettre l'encre. Voilà. Si je veux que ce soit plus foncé, pas de souci, Marianne. Tu nous montreras, bien sûr. Ah, c'est Martine qui me dit ça.
Mais Martine, elle ne nous montre pas ce qu'elle fait. Hein. Pas beaucoup, du moins. Si l'autre jour, t'as montré, c'est vrai. Je dis des bêtises. J'aime bien quand vous montrez. Ah, tu fais comme moi, Jacqueline. Génial. Super, Cornelia. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fini la carte. J'aurais plus qu'à colorier tout ça. Et puis, la mettre sur un papier couleur. Donc, là, j'ai déjà ma carte. Vous voyez un petit peu? Ça fait une carte rapide et pas grand chose à faire. Est-ce que vous voulez que je vous montre les coccinelles? Les coccinelles. Hop. Oh là 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 là, il y a tout qui vole ce soir. C'est quoi ça? J'adore, qu'elle dit Périne. Mais oui, moi aussi, j'adore faire des cartes en rond. C'est vraiment super sympa. On peut s'amuser à colorier après en plus, c'est ça qui est génial. Hop, je nettoie là. Donc la chamoise, moi je l'ai coupée, hein, je vous l'avais déjà dit. Moi je la coupe pour justement quand j'ai des petits tampons. Parce que si je la laisse entière pour essuyer un tout petit tampon comme ça, c'est un peu embêtant d'avoir un... Donc du coup je l'ai coupée, j'ai gardé une grande partie et quatre petites. Vous voyez, hop, voilà. Et du coup je ne suis pas embêtée et pour le Stamparatus c'est vraiment génial. Alors je vais ranger ça. Si j'ai fait voir Martine. Oui, avec les pochoirs, j'ai vu Martine. C'est exactement ce que je disais. J'ai vu que tu en avais mis une. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Les pochoirs ont eu beaucoup de succès et beaucoup m'ont montré ce qu'elles avaient fait. J'étais super contente. Ça fait plaisir. C'est un peu le but de ma page. Hein. Le but est de partager. Donc, moi, j'aime bien montrer, mais j'aime bien quand vous montrez aussi ce que vous faites avec les tutos, les vidéos que je fais. C'est mieux quand même. J'aime beaucoup celle que tu viens de faire. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup, Lily. Merci. Elle est toute en finesse. Alors après, on peut s'amuser. Hein. Là, je voulais en faire une avec les fleurs, là, mais elles sont vraiment très grosses, donc elles vont se chevaucher. Mais il y a moyen de faire aussi quelque chose avec, et avec l'oiseau aussi. Ah, à tester. À tester. Je suis sûre qu'on peut s'amuser. Donc là, hop, je remets tout ça. Je vais enlever celle-ci pour l'instant, si jamais j'en ai pas besoin. Donc, j'ai déjà le tapis mousse. Et là, je vais prendre, faire la carte coccinelle. Hop, ça, je mets de côté. Je vais faire la carte coccinelle. Alors, pour info, celle-là, je l'ai faite avec un papier 11 sur 11. Et je l'ai faite tantôt avec un papier 10 sur 10. Vous voyez? Eh bien, la couronne est un petit peu plus petite, en fait. Donc, c'est possible. Quand c'est des petits tampons, on peut s'amuser avec les tailles de cartes sans problème. Là, il y a plus d'espace entre chaque, par exemple. Mais il y a moyen de s'amuser comme ça sans problème. Là, j'avais une base vanille. Je vais prendre maintenant une base blanche. Toc. Je vais avoir un papier. Elle est jolie, la coccinelle, mais plus chargée. Oui, c'est plus chargé, tout à fait. C'est pour faire voir quand même qu'on peut ou soit faire. Alors, ça, c'est avec 8 tours, du coup on a 8 coccinelles et après je vous en fais voir une avec 4, vous allez voir un petit peu la différence. Donc là je positionne mon papier 13 sur 13, d'accord, donc si vous avez des fleurs, si vous avez tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre 13 sur 13, quelque chose de plus gros, en fin de compte c'est par rapport à la taille de ce qu'on a à tamponner. Alors là je vais faire les coccinelles, je vais peut-être pas la faire en tiers, je vais voir comment je vais faire. Si je tournais comme tout à l'heure avec les aimants, du coup je pourrais faire comme ça. Mes coccinelles, elles sont là. Hop. Donc là je vais prendre cette coccinelle là, hein, comme ça, donc je la positionne au milieu. Toujours, moi je commence toujours par le côté où ça aurait tendance, en fait je ne mets pas la carte, la pointe en haut. Pourquoi? Parce que la pointe, vous voyez, il nous reste tout ça encore. Donc, je préfère mettre la partie où il va y avoir le moins de place pour savoir un peu à quelle distance je vais pouvoir mettre les choses. Basse un peu. Basse un peu quoi? Qu'est-ce que tu veux que je baisse, à mon avis? Dis-moi, Cornelia. Alors là, je me suis mise sur 13 sur 13. Je positionne ma coccinelle. Hop, donc le côté qui va tamponner sur le papier. Je la mets à peu près au milieu comme tout à l'heure, hein, ce que je vous disais. Et j'essaye de voir mes repères un petit peu sur les côtés. D'accord? Donc là, ça me paraît pas mal. Hop là. Voilà. Il faut juste qu'elle soit droite. C'est quand tu faisais voir les deux cartes, mais c'est pas grave. Ah, excuse-moi. Alors, regarde.
Là, j'ai la 11 sur 11 et là, j'ai la 10 sur 10. Tu vois mieux comme ça? En fait, il n'y a pas grande différence, mais là, les fleurs sont un petit peu plus serrées que celles qu'on vient de faire. Donc, tu peux faire une couronne un petit peu plus petite. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est bon. J'ai pris la coccinelle, je l'ai positionnée. Elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite, ma cox. Travaille pas pareil quand on a la caméra au-dessus de nous et puis quand on est toute seule. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai taché mon papier. Hop là, je recommence, c'est pas grave. Alors, la coccinelle. Ah, ce résine, c'est fou. Voilà. Hop là. Je vais fermer, mettre ma boîte ici pour mettre l'encre. Alors là, on va être avec du noir. Donc, c'est là que c'est vraiment important d'avoir le Stamparatus parce qu'on va pouvoir revenir. Je vais pouvoir en mettre une là, je pense. On va pouvoir revenir plusieurs fois pour remettre du noir parce que le noir sur le résine, vous savez que c'est jamais très facile à mettre sur le papier. Vous voyez, il n'est pas long là, mon noir. Mais et en même temps, j'ai bougé. Donc, le résine colle hein, donc, au papier. Alors là, c'est le début, mais quand après, il va être bien ancré. Hop, l'avantage, c'est qu'on peut revenir comme ça. Voilà. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure, les filles. On va faire pointe à pointe. Donc là, j'aurais pu laisser les aimants, c'est vrai. Je vais en mettre une. Alors, j'ai l'impression d'avoir des... Voilà, j'ai de l'encre sur les doigts, c'est pour ça que je tâche mon papier. Hop! Et là, on est parti. Décidément, hein. Oufou. Voilà. Je vais le tourner. Hop. Donc, bien le positionner. Je remets dans l'angle pour éviter que ça bouge. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, une année, on avait eu les pandas. Les pandas, c'est pareil, c'était tout plein de noir, comme ça. Et bien là, c'était génial, parce qu'avec le Stamparatus, on pouvait vraiment ancrer de nouveau. Donc là, hop. Le fait de retourner toujours au même endroit, c'est vraiment un plus. C'est vraiment super. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez pris pour le deuxième tampon? Dites-moi tout. À la place des coccinelles. Parce que vous n'avez pas toutes les coccinelles, je le sais. Alors là, vous faites ça avec un enfant, il est content. Hein, parce que vous lui faites faire des petits tamponnages facilement, sans qu'il s'en mette partout. C'est vraiment chouette. Donc, hop, je vais décaler celui-là. Alors, celle qui avait eu les moutons, par exemple, ça peut être sympa aussi, les moutons, de faire avec. Et les petits suricates aussi que vous aviez eu l'année dernière qui vous plaisaient beaucoup. Ça peut être sympa. Un chat. Ah bah. Ça va pas. Mince, pourquoi ça va pas? Il est trop gros. Un chat. C'est bizarre que tu aies pris un chat. Alors le truc, c'est vraiment de commencer sur la partie qui est comme ça, là, toute droite,
et de le mettre vraiment le plus haut que vous pouvez. Vous êtes sûr que dans l'angle ici, ça va aller en fait. Je ne sais pas si, si ce que je dis est clair. Et si on commence avec la pointe, c'est souvent, on a souvent un problème à arriver quand on tourne de ce côté-là. Tac. Ouh là là, vous avez vu cette coccinelle toute zébrée là? Eh bien, on va lui mettre du noir. Hop, un petit peu encore. Voilà. Impeccable. Et la dernière, zo. Voilà. Et elle rentre en, carrément dans les cases. Hein. Et voilà, je refais un petit peu là. Alors vous avez vu, j'ai du noir tout autour, mais je n'en ai pas mis sur ma carte. Voilà, donc là j'ai fait les coccinelles. Si j'en ai d'autres à faire, bah, je le laisse et je retourne, hein, toujours pareil. Là j'en ai pas besoin, donc je peux l'enlever. J'essuie la page et je vais pouvoir aller faire les fleurs. Alors les fleurs, je vais juste changer de jaune pour que ça aille un petit peu plus vite, parce que tout à l'heure mon petit jaune il avait un peu du mal. Mélodie de mangue. Donc là, on va aller chercher les fleurs de la coccinelle. Hop, je remets ça là. Et là, je vais aller positionner les fleurs, hop, comme j'en ai envie. Vous voyez un petit peu l'histoire. Donc là, je peux aller là. Hop. J'essaye de centrer par rapport à tout ça. Et là, je vais pouvoir aller fermer ma page pour aller chercher le tampon. Alors, il ne faudrait pas que je bouge. Donc, je vais mettre l'aimant ici et ici. Coucou Marie-Laure, comment vas-tu? Hop! Et là, je vais aller mettre mon jaune. Alors, j'en profite pour vous dire, si vous avez des mini-encreurs, vous savez, les mini-encreurs comme ça, alors ils sont vraiment géniaux parce qu'ils sont tout petits. Donc, quand on a un petit tampon comme là, les fleurs, eh bien, on prend ça et c'est beaucoup plus pratique que les grands. Ça évite déjà d'en mettre tout autour. Et quand on a aussi deux tampons côte à côte comme tout à l'heure, eh bien, les petits tampons, c'est pas mal. Donc, ça, pensez-y à les utiliser parce que c'est vraiment chouette. Alors vous avez les tampons avec de l'encre, ou alors vous avez ceux qui n'ont pas d'encre à recharger vous-même avec vos recharges. C'est possible. Alors, il va être plus foncé mon jaune du coup. Un petit peu plus foncé, pas spécialement joli. Ah, je vais peut-être reprendre Narcisse alors du coup. Vous avez compris en tout cas. Voilà, là je vais retourner en rond. Hop. Partout, partout. Et je vais pouvoir positionner mes petites fleurs. Alors là, du coup, hop, impeccable. Je vais rechanger avec Narcisse. Je vais faire une sur deux. Ça va adoucir un petit peu. Tu trouves qu'il est beau? Ça fait pas trop foncé. J'écoute Lily. Allez Lily, je t'écoute. Tu disais déjà que c'était chargé tout à l'heure. Hop. Vous avez vu, là, j'enlève même plus les aimants. Je positionne et c'est parti. Quand c'est de la couleur, ça va plus vite que quand c'est du noir, hein, j'avoue. Voilà. On centre bien, c'est ça en fait qu'il faut faire super attention, c'est de bien se remettre
dans le cadre. Là, je vais juste pousser. Vous avez vu, il se colle, il se chevauche. Il faut penser à pousser les aimants des fois. Oh non, c'est pas la fin. On a fait plein de petites choses. On est en train de s'amuser. Je sais même pas l'heure qu'il est. Oh non, ça va. Moi, ça va en tout cas. C'est un peu comme la semaine dernière. Je regarde pas. Voilà, celles qui ont envie de rester, restent. Celles qui ont envie de faire mumuse en même temps que moi, restent. Celles qui veulent aller faire dodo sont déjà dans leur lit. J'ai eu des confidences la semaine dernière. Il y en a plein qui étaient couchés pendant mon live. Hop. C'est bientôt les vacances pour vous, peut-être. Hop là. Nous sommes là, nous sommes là. Vous êtes silencieuse ce soir. Cornelia est concentrée sur sa couronne. Périne, bah, elle regarde silencieusement. Soraya aussi. Elles sont dans les fleurs, mes coccinelles. Hein. Oh. Dis donc. Non, pas pour toi. En dehors, tu ne vois rien. Ben non, je vois rien. Ça, c'est sûr. Hein. Ça serait ballot de voir quand même. Hop. Les fleurs, c'est fini. C'est bien, ma petite Périne. C'est bien. Tu prends des notes pour refaire. C'est plus foncé, hein, les filles. Hein. J'ai écouté Lily. Hein. Les fleurs, c'est fini. Là, on va pouvoir se servir du Stamparatus. Si on veut. Hop. Ça, j'enlève aussi. Pour faire l'intérieur de notre. Alors, je vais sortir ça, mais je vais aussi sortir la feuille pour après. Je vais en avoir besoin. Alors, là, je vais pouvoir faire l'intérieur de ma coccinelle. Alors, l'intérieur de ma coccinelle. Vous avez vu, ils ont sauté ensemble encore les aimants là. Oh, les chenapans. Hop. Je mets ma feuille bien là dans l'angle. Et là, je vais positionner mon papier. Avec l'aimant, toujours. Mais je vais en mettre deux hein, parce que ça va encore coller un petit peu à mon avis. Et là, je vais positionner l'intérieur de mes coccinelles pour faire le rouge. Alors, ou soit je les colorie, hein, si je veux gagner du temps. Mais si j'en ai beaucoup à faire, autant faire comme ça. Je vais juste me rapprocher pour le mettre comme il faut. Hop. Hop là, voilà. Je prends mon tampon. Et là, c'est à nous de regarder un petit peu comment on est mis. Je vais prendre le rouge et je vais mettre mon rouge. Je vais dans ma coccinelle. Et voilà. Alors ça, c'est parce que j'ai bougé un petit peu tout à l'heure. Donc du coup, j'ai un petit décalage, mais c'est pas gênant non plus. Bah oui Lily, t'as vu ça. Et là, hop, je retourne et je fais la même chose. Alors, des fois quand on tourne comme ça, qu'on fait un intérieur, on a un petit décalage parce que faut qu'on se centre dans le carré en fait. Donc c'est pas spécialement évident d'être au même niveau que tout à l'heure, mais franchement, ça se fait bien. Hop. Voilà, alors là j'ai pas assez de rouge, j'appuie un peu plus fort, et voilà. Hop là. Alors là j'ai pris rouge.
je regarde. Ah. Je regarde comment je suis. Je suis en décalé là par contre. Pourquoi j'ai dû bouger? Oh, tiens. Tiens, tiens. Du coup, il faut que je décale par là, si je comprends bien. Voilà. Hop, je vais avoir un décalage. Ça s'est décalé. Mais c'est pas gênant. Après, on peut rattraper avec le feutre. Hop. On va quand même plus vite si on ne bouge pas. Oh, bah c'est quoi ce délire? J'ai dû bouger quelque chose tout à l'heure, le tapis blanc, à mon avis. Mince. Bah mince alors. Essayer de me décaler comme ça là, peut-être. J'ai dû bouger la feuille du dessous. C'est malin. C'est malin. Hop là. C'est vrai? Alors, des fois, on aime bien quand on rajoute après, tu vois, au milieu, par exemple, quelque chose en 3D. Moi, souvent, je rajoute quelque chose, une étiquette ou quoi. On peut le trouver où, le gabarit? Eh bien, Christelle, je vous l'avais déjà donné l'année dernière, mais si tu le veux, t'inquiète pas, je te l'envoie après, après ou demain. Mais normalement, je vous l'ai déjà donné, les filles. J'ai déjà fait ce live l'année dernière, je crois. Alors là, je suis décalée, ça m'embête, franchement. Il est génial, hein. Et il me semblait que vous l'aviez, les filles, hein. Ou alors tu n'avais pas fait ce live, peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, je vais décaler un petit peu là, du coup, si c'est ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Ça a dû beaucoup bouger. Hein. Là, je suis dedans. Hop là, coccinelle pour Jacqueline. Ah bah d'accord. Je l'avais mis sur cette page-là avant le live l'année dernière. Et du coup, il était resté dessus. Mais ils vont juste l'envoyer, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hop. Tu fais les coccinelles aussi, Jacqueline, tu m'as dit? Super. Donc là, je suis en décalage aussi. Ah, tout à l'heure. Comment ça se fait? Eh bien, voilà, les filles, si vous voulez le gabarit, vous mettez un message sur Messenger. Hein, vous mettez sur Messenger, vous mettez un message et puis je vous l'envoie sans problème. En fait, il me faut votre adresse mail pour l'envoyer. C'est un fichier. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est l'enregistrer dans vos documents ou votre image, ou voilà. Et vous l'imprimez après pour qu'il soit à la bonne taille. Parce que la légende qui est là correspond vraiment à la taille des carrés. Et vous, après, vous allez découper les papiers à la taille des carrés. Donc, c'est vraiment super sympa. Et le fait de l'enregistrer, vous aurez le gabarit à la bonne taille. Celle qui essaye de l'imprimer directement depuis le document que je vous envoie n'arrive pas à l'imprimer à la bonne taille. C'est pour ça que je vous dis ça. À moins que vous soyez une pro de l'informatique, mais moi, non. Je sais que Momo, par exemple, l'année dernière, n'avait pas la bonne taille parce qu'elle n'avait pas enregistré, je crois. Il y avait eu un truc comme ça. Alors. Hop. Je décale un petit peu pour être bien. Parce que là, vraiment, j'ai dû faire une mauvaise manœuvre, manip. Et là, j'ai du blanc. Mais bon. Hop. La première est plus foncée parce que j'y suis retournée deux fois. Et voilà. Donc là, j'ai fait mes coccinelles. Et là, je vais pouvoir me servir du Stamparatus pour faire, alors une petite chute là, hop, voilà, pour faire la feuille. Parce que la feuille, vu qu'elle est en tampon résine et qu'elle est pleine, je vais avoir du mal à mettre le vert partout. Donc, du coup, oui, vous pouvez le plastifier tout à fait. C'est ce que je montrais tout à l'heure. Moi, j'en ai un plastifié aussi que Nicole m'avait fait. Du coup c'est bien parce que ça évite de tâcher le gabarit. Vous pouvez le nettoyer. Alors quand vous le découpez après, vous le découpez pas trop loin du bord et droit si possible, parce qu'il faut que ça se cale dans votre Stamparatus, les filles. Donc là, je vais aller mettre la feuille pour la découper après. Donc je me mets là, hein. Là c'est vraiment juste
Hop là. Un tamponnage. Et je vais le faire. Alors, je choisis quel verre, guillerette ou riche raisin? Guillerette va peut-être apporter un peu de peps. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou riche raisin, je l'avais tout à l'heure, voilà. Ou riche raisin. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme verre? Moi aussi, je veux bien. Bah, pas de souci, les filles. Vous mettez un message sur Messenger, sinon je ne vais pas me souvenir qui en veut bien. Qui en veut un, d'accord? Ah, tonton, tonton, s'il veut le gabarit. Tu es bien parti parce que ah, bah, c'est gentil, Lily, merci. Donc, vous mettez un petit message sur Messenger, les filles. Guillerette, ouais, je pense aussi. Riche raisin. Ah, ah, allez-y, les filles. Vert grenouille. J'en ai deux pour grenouille. Ouais, ça va peut-être réveiller un peu plus. Grenouille. Alors, j'attends. Ah, je suis à 2-1 là. Jacqueline, on met quel vert? Le grenouille ou le riche raisin? Martine, t'es encore là, Martine? Allez, les filles. J'attends, j'attends. Est-ce que je mets grenouille guillerette ou riche raisin? Et c'est les deux. Oui, je remarque. Et c'est bien, Lily. Heureusement que tu es là des fois. Hein. Grenouille, Jacqueline, elle a dit. Hop! J'adore ce vert. Vous voyez là, quand je vais enlever, par contre, j'ai pas de repère là, donc il faut que ça reste en place. Hein. Voilà. Vous voyez là, les nervures, elles sont pas faites partout. J'ai de l'encre, j'ai pas de l'encre partout. Alors, j'espère que ça va pas bouger parce que là, je me suis pas mis côté quadrillé, j'aurais dû. Riche raisin, Martine. Ah voilà, ben vous m'aidez pas là, les filles. Ça, c'est grenouille. Il ne veut pas en mettre où je veux en mettre. Voilà. Grenouille. Ou alors. Est-ce que je vais avoir une petite chute blanche là? Pour faire un petit guillerette. Un petit riche raisin. Oui, j'avais des chutes tout à l'heure. En fait, elles sont passées où? Ah bah oui, mais j'ai bougé. C'est malin ça. C'est pour ça que le quadrillage, c'est bien. Pour reprendre son repère. Pareil, si jamais vous faites côté noir et que vous voulez vraiment un repère, calez-le dans l'angle si vous n'avez pas le quadrillage pour être sûr de, que votre tampon soit toujours positionné au bon endroit. Alors là, je suis avec riche raisin. Ah oui, mais ça bouge mon affaire. Là. J'aurais dû prendre le quadrillage, moi je vous le dis. En fait, je le fonce en plus. Hein. Parce que comme je le veux en... Ah, j'ai bougé là. C'est pas possible, Virginie, c'est pas possible. Ouais, je pense aussi qu'il est plus vif. Hein. Il est plus vif. Il faut que je le refasse. Je vais reprendre un petit bout. Ça a bougé, je vais mettre côté quadrillage. Hein. C'est là en faisant qu'on voit ce qu'il ne faut pas faire. Je suis en train de faire des erreurs et vous, ça vous montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas plus mal. Hein. Hop. Un petit carré. Voilà. Voilà, côté quadrillé, ça va être plus facile. Alors, je recommence mes achats du. J'ai recommencé mes achats du coup, je vais remonter un peu. Ah, tes chats. Ah oui, bah voilà. En fait, il faut vraiment que tu commences déjà ton papier, voilà, comme ça à l'horizontale. Et que tu le mettes le plus haut possible pour que tu te dises, bah là, je vais avoir de la place. Donc, mais ici, ça va passer sur les quatre côtés, c'est sûr. Voilà. C'est vraiment important de commencer dans, je pense, hein, dans ce, de ce côté-là. Hop. Vous voyez, c'est bien le résine.
Mais quand on n'a pas le Stamparatus, du coup, on ne peut pas le repositionner comme on veut. Là, l'avantage, c'est que je peux y retourner et mettre de l'encre où il n'y en a pas. Voilà. Moi, j'aime bien cette couleur-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va faire un petit peu pétant, là. C'est pas mal. C'est juste le milieu, là. Il ne veut pas m'en mettre. Hop. Voilà. Wesh, wesh. Donc là, on découpe au ciseau. Et puis après, on fait sa petite coccinelle. Hop. Donc ça, ça. Sers-toi de ton plioir pour découper lorsque tu lèves la plaque. Ah oui. Oui, Lily. C'est vrai. Donc là, ça, la feuille, elle est... Ah bah, zut, alors, je voulais faire ça, mais je n'ai pas fait. Heureusement qu'il y a le tapis quadrillage quand même. C'est un plus. Donc ça, c'est bon. Et je vais pouvoir faire ma petite coccinelle. Donc là, je prends le corps. Je vais prendre les ailes rouges. Hop. Voilà. Maîtresse. Excellent. Excellent. Hop. Et là, je vais le reprendre. C'est juste pour les ailes, les filles. Je vais pouvoir... Alors, j'espère. Je vais pouvoir... le positionner. Alors là, je vais mettre... ça, comme ça, pas que ça bouge. Et là, je vais positionner, vous savez, les ronds noirs pour faire les poids. Et là, hop, parce que vu que c'est du noir, encore une fois, si je retourne en deux fois, ça va pas le faire. On va voir déjà si ça ne déplace pas mon papier rouge. Je vais faire comme Lily, elle a dit. Lily, c'est la maîtresse ce soir. T'as vu? Hop. Hey, pas mal. Pas mal, Lily. Oh. Donc là. Hey, hey. Le plioir. Et je soulève. Pas bête du tout. Je vais remettre du noir. J'ai ma grande feuille qui colle au 7 là. Hop. Et là, normalement, ça ne devrait pas être mal. Oui, c'est clair. Hop. Regardez-moi ça. Parfait. Merci beaucoup, Lily. J'avais peur que ça bouge. C'est super. Donc, vous prenez le plioir avec le Stamparatus aussi. Et vous aurez un cadeau Salobrechen en plus. Waouh, trop bien. Donc là, je l'avais mis quand même avec le masking tape. Et là, j'ai les petits pois de ma coccinelle. Hop. Donc là, je vais pouvoir ranger tout ça. La coccinelle. Les fleurs et les pois. Voilà. Donc, et je vais pouvoir monter ma petite cox. Avec les 3D noirs. T'as vu ça, Martine? Tout le monde donne des petites astuces. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est chouette. C'est une page de partage. Voilà. Voilà, voilà. Là, j'ai mis mes ailes. Je vais pouvoir leur lui mettre un petit peu de Wink of Stella dessus. Pour les pois. Et puis la petite tête aussi. Elle brille la tête. Faut qu'il y ait un peu de paillettes.
Voilà. Et le découpage. Non, celui-là est plus beau en fin de compte. Hein. Je vais prendre celui-là. Donc là, il y a juste à découper un petit peu. Ça se découpe bien. Donc c'est le papier qui tourne, hein, c'est pas votre ciseau. Donc au milieu, souvent des cartes rondes, je mets. C'est dommage, j'ai pas retrouvé les autres, mais je voulais les prévoir la semaine prochaine, je vais aller chercher. Elles doivent être rangées dans les cartes. Du coup, moi je mets souvent des étiquettes avec le message au milieu en fait. Hop. Et voilà. Donc ça c'est bon. Je vais prendre les 3D. Ça ressemble à un cœur à l'envers. Hop. Alors, je vais mettre celle-là comme ça. Comme ça. Voilà. La coccinelle a disparu. Voilà. Tac, tac. Voilà. Ma petite coccinelle. Et puis, un petit message. Alors, est-ce qu'il faisait cette taille-là, mon papier? Oui, juste pour toi. Et là. Hop. Donc là, j'ai fait tout simple, hein, pas de perfo, pas de die. J'ai découpé un peu plus loin. Et ici, je fais un petit fanion. Donc, je coupe au milieu. Et je fais en diagonale jusqu'au milieu pour couper en fanion. Et là, j'arrondis. Voilà. Et je vais y mettre un petit 3D également. Tac. Et là, j'ai plus qu'à le positionner où j'ai envie. Voilà. Alors là, si je veux en remettre un, je peux en mettre un. Je vois que dommage, je suis sur ma coque, ça. Je ne voulais pas la cacher quand même. Voilà, voilà, voilà. Et j'ai plus qu'à la mettre sur un fond rouge. Hein. C'est basique de chez basique. Donc un fond rouge. Rouge rouge que je vais couper. Du coup, j'ai un carton de 13 sur 13. Donc je vais faire 13,5 sur 27. Oula. Oula, oula. Que se passe-t-il? Il y a une avalanche dans mon jardin. Dans mon jardin. N'importe quoi. Dans mon atelier. Alors, 13,5. Voilà, et 27. Et je plie à 13,5. Je ne sais pas si Colette a fait en même temps que nous, parce que du coup, Colette, toi qui voulais voir le Stamparatus, dis-moi. Hop. Voilà, et là je vais pouvoir coller la carte. Ça c'est une feuille en plus du coup, et là on a fait celle-ci.
avec un autre jaune. Alors là, on peut la faire dans ce sens-là si on veut. Ça change. Moi, j'aime bien faire l'écart dans ce sens-là aussi. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la coccinelle. On a fait également ce soir celle-ci. Hop. Celle-ci. Et celle-ci, que je n'ai pas fini. Hein. Donc là, j'avais mis du papier vélin. J'ai mis la petite perf au feuillage, justement, qu'on parlait tout à l'heure. J'ai pris la petite brun, le petit brun qui me fait penser à du muguet, là. Je l'ai fait en vert olive. Et puis, j'ai colorié les papillons et l'oiseau. Donc, on a fait la répétition de tampons comme ça pour faire voir qu'on pouvait faire des cartes en un rien de temps. Et on a fait également le merci. Je ne sais pas où ils sont passés. Ils sont là. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Ah bah, j'ai perdu. Ah, il est là. Bah, on avait fait celle-là, mais c'était pour vous montrer autre chose. Donc, je vous ferai voir la semaine prochaine. Et là, on a fait les merci pour les répétitions de tampons. Voilà, voilà. Oui, j'ai fait les coccinelles, mais le remplissage, pas top. Ah, en fait, je pense qu'il faut vraiment les mettre. Puis là, avec le crayon, le marqueur, on peut refaire un petit trait. Mais moi, il n'y a pas grand-chose en décalage. Hop. Voilà. Et la coccinelle brille. Donc, je pourrais faire briller les autres aussi. Hein. Mais là, du coup, j'ai pas grand-chose. J'en ai peut-être un petit peu là, surtout sur celui-là, là. Un petit peu. Mais bon, après, un petit coup de crayon rouge, c'est pas non plus gênant. Hein. Ça fait... la petite pointe de lumière, on va dire. Donc voilà. J'en avais préparé un autre avec des fleurs, mais au pire, je vous ferai voir ça la semaine prochaine. Comme ça, vous allez pouvoir imprimer le gabarit si vous voulez en refaire la semaine prochaine avec moi. Comme ça, pourquoi pas? Alors, mais de rien, Lily. Moi, ça me fait plaisir de partager avec vous. En tout cas, je vous fais voir la semaine prochaine ce que j'ai pas pu vous faire voir à cause de mon oubli de poudre transparente, mais je vous montre ça la semaine prochaine. Et puis, d'autres petites astuces à faire avec ce beau produit qui est le Stamparatus. Donc, celles qui veulent le gabarit, vous m'envoyez un message sur Messenger avec votre adresse mail, s'il vous plaît. Et moi, je vous le transmets par mail. Il n'y a pas de souci, je vous envoie ça. Donc, il y avait Lily, Christelle, Marie-Laure, sûr. Et puis, je ne sais plus qui avait dit, Martine, peut-être. Je ne sais plus. Donc, n'hésitez pas. Je préfère que vous me renvoyiez un petit message pour voir ça. Ok, les filles. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... il y a des petites questions qui se posent dans vos têtes? Dites-moi tout. Je vais faire juste un peu de rangement à ce niveau-là. Merci beaucoup, Martine. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Moi, j'avoue que j'adore cet outil. Il me permet de gagner du temps quand je fais des cartes en grande quantité, des faire-part. Voilà, c'est un bon produit. Et j'ai beaucoup de clientes aussi qui s'en servent pour tamponner parce qu'elles n'aiment pas les blocs acryliques. Elles n'aiment pas tamponner. Donc, quand elles me disent « j'aime pas tamponner », ben, l'astuce, c'est le Stamparatus. Et ça t'évite d'avoir des marques tout autour, de bouger, de danser. Mais le problème, c'est qu'après, elles ne veulent plus tamponner avec les blocs. Je pense à Momo et Kiki. C'est bizarre. Hein. Donc, voilà. Donc, celle-là, je vais la colorier. Je vais vous la montrer après une fois coloriée. Mais elle est aussi jolie comme ça. J'aime beaucoup. Et puis, je vous montre... la suite plus tard. Cornelia, du coup, tu es contente de... T'as réussi à faire des cartes en rond? Dis-moi tout. Dis-moi. Donc, t'en as fait une avec les chats. T'as fait la même que moi, comme ça, je crois. Marie-Laure, as-tu essayé? Ah, Marie-Laure, elle veut le gabarit aussi. Je te l'envoie et puis tu feras avec nous la semaine prochaine. Super, Cornelia. Bah, écoutez, je vous mets un post pour mettre ce qu'on m'a fait ce soir. Si vous avez envie de mettre vos photos, il n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir. Et encore merci à toutes celles qui partagent leurs photos. Ça fait super plaisir de voir les créas de tout le monde. Voilà, voilà. Bah écoutez, je suis aussi... Pas de souci, Marie-Jo. Tu m'envoies un message? Hein, voilà, Messenger impeccable et je vous envoie ça, sans souci. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour ce petit moment créatif avec vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du Stamparatus. Ça sera Stamparatus 2. Je vous fais un gros bisou, passez une bonne soirée et une bonne fin de semaine. À très bientôt.
Bisous, bisous les filles.